10 astuces du corps humain qui facilitent la vie. Notre corps est une machine étonnamment complexe qui peut parfois être difficile à contrôler. Beaucoup de choses arrivent par surprise, comme les éternuements ou le hoquet. Peut-on être plus fort que la nature et les contrôler? Bien sûr que oui. Voici quelques astuces qui te seront d'une grande aide dans beaucoup de situations de la vie quotidienne. Ne manque pas notre bonus final tout à fait fascinant. 10. Se retenir d'éternuer. Il n'y a rien de mal à éternuer, mais parfois le moment tombe très mal. Heureusement, il existe une astuce simple que tu peux mettre en pratique pour te retenir de le faire. Il te suffit d'appuyer sur l'arête de ton nez et l'envie disparaît. En fait, lorsque tu fais pression à cet endroit, ton cerveau reçoit un signal indiquant de ralentir certains processus, y compris le réflexe de l'éternuement. Au contraire, si tu veux absolument faire sortir un éternuement qui résiste, regarde une source de lumière vive. Si ces astuces ne fonctionnent pas sur toi, essaie tout de même de rester optimiste. Tu es peut-être tout simplement destiné à battre le record du monde d'éternuement en continu pendant 976 jours d'affilée. 9. Mieux entendre. Les environnements bruyants sont l'ennemi numéro 1 des conversations intimes. Tu t'es certainement déjà retrouvé dans une boîte de nuit ou à un concert où la musique est si forte que tu ne peux pas entendre ce que dit ton ami. Si tu ne veux pas qu'il ait à te crier dans les oreilles, plie simplement le tragus de ton oreille et oriente-la vers la personne qui te parle. Cette astuce est régulièrement utilisée par les chanteurs lorsqu'ils ne peuvent pas réparer leur oreillette. Essaie, tu vas être surpris. 8. Se détendre. Malheureusement, faire face au stress ou à l'anxiété fait partie de la vie. Chaque fois que tu traverses une situation stressante, suce ton pouce. Ce n'est pas pour rien que les bébés le font. Sucer son pouce est un excellent moyen de se calmer. Ce résultat est obtenu grâce à la stimulation du nerf vague, qui ralentit le rythme cardiaque et diminue la tension artérielle. Et si quelque chose te tracasse mais que tu te trouves dans un lieu public, il existe un autre truc simple. Laisse ton pouce dépasser de ton poing fermé et souffle dessus. Tu te sentiras beaucoup mieux. 7. Stopper le hoquet. Tout le monde connaît une technique pour arrêter le hoquet. Certains se tirent le bout de la langue ou y mettent de la glace. D'autres retiennent leur souffle. Et d'autres encore avalent un morceau de sucre. Une autre méthode efficace consiste à se boucher les oreilles avec les paumes des mains et à boire un verre d'eau d'un trait avec une paille. Tu peux aussi te pencher au-dessus de l'évier et boire de l'eau directement au robinet. Si ton hoquet ne passe toujours pas, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux tout de même mener une vie longue et heureuse, comme cet homme qui a eu le hoquet pendant 68 ans. 6. Se débarrasser d'un point de côté. Tu as certainement déjà souffert d'un point de côté lors d'une longue course à pied. Lorsque tu fais du cardio, ton sang afflue vers tes muscles qui travaillent. Mais si tu ne t'es pas échauffé avant de courir, ton sang ne se diffuse pas de façon uniforme et inonde ton foie et ta rate. Ces organes gonflent et font pression sur ton diaphragme, et tu ressens alors une crampe sur le côté. Si la douleur est du côté gauche, essaie d'expirer lorsque tu poses ton pied droit par terre, tout en massant doucement ton côté douloureux. Fais la même chose avec le côté droit et le pied gauche. 5. Se réveiller plus rapidement. Tout le monde a déjà appuyé sur le bouton snooze de son réveil de façon répétée le matin. Cette mauvaise habitude vaut vraiment la peine d'être abandonnée, car elle ne fait que nous mettre en retard. Mais comment surmonter ce désir irrépressible de rester dans son lit chaud et douillet? Facile, il suffit de retenir sa respiration. En faisant cela, ton rythme cardiaque s'accélère et ton corps se réveille immédiatement et passe en mode alerte. Toutefois, il ne faut pas abuser de cette astuce, car se réveiller brusquement met ton cœur à rude épreuve. Garde-la pour les situations d'urgence. Quant au combat quotidien contre soi-même pour sortir du lit, il faudra trouver une solution par toi-même. 4. Améliorer son humeur. Nous vivons tous des journées où nous nous sentons anxieux, grincheux ou un peu déprimés. Crois-le ou non, ton corps peut te permettre d'améliorer naturellement ton humeur. Cela peut sembler étrange, mais tout ce que tu as à faire est de ronger un crayon.
Lorsque tu tiens un crayon entre tes dents, il stimule les muscles impliqués dans la formation du sourire. Des impulsions neuronales sont alors envoyées à ton cerveau, qui se met à produire des endorphines, connues pour être les hormones du bonheur. Si tu es en public et que tu ne peux pas te permettre ce truc, contente-toi de sourire pendant une minute. Cela aura le même effet de sécrétion d'endorphines, et tu vas finir par sourire pour de vrai. 3. Stimuler ta mémoire. Si tu n'as pas encore trouvé la bonne méthode pour réviser tes examens ou apprendre quelque chose par cœur, en voici une efficace. Lis tout ce que tu dois apprendre le soir, allongé dans ton lit et en respirant du romarin. Cette technique permet d'activer le potentiel caché de ta mémoire et t'aide à enregistrer les informations nécessaires plus rapidement et pour plus longtemps. Essaie, tu vas être surpris du résultat. 2. Empêcher ton bras ou ta jambe de s'endormir. Nous connaissons tous ces désagréables picotements qui accompagnent un membre endormi. Et il semble que la seule solution soit d'attendre que ça passe. Mais il existe une meilleure solution. La prochaine fois que tu en fais l'expérience, contente-toi de secouer énergiquement la tête. Tes muscles se détendront et la sensation de picotement disparaîtra en moins d'une minute. C'est tout de même mieux que d'attendre que les fourmis te laissent tranquille. 1. Tromper un détecteur de mensonges. Chaque fois que tu te sens nerveux et que ton cœur s'emballe, utilise tes doigts pour pincer tes narines et essaie d'expirer par le nez. Tu sentiras une pression dans tes oreilles, mais ton rythme cardiaque va ralentir et tu te sentiras plus détendu. Cette astuce est indispensable pour toute situation d'urgence. La rumeur dit aussi qu'elle peut te permettre de tromper un détecteur de mensonges, même s'il va être difficile de la mettre en pratique sans que personne s'en aperçoive. Pour finir, nous espérons que tu n'as pas oublié notre bonus spécial. Bien, parce que tu vas voir qu'il est à couper le souffle. Savais-tu que tu pouvais jouer avec ton cerveau et voir le monde qui t'entoure comme si tu étais entré dans un univers parallèle? Non, on te ne demande pas de prendre des drogues hallucinogènes. Si tu veux essayer, voilà ce que tu dois faire. Tout d'abord, allume la radio et règle-la sur une station vide avec un grésillement. Ensuite, coupe une balle de ping-pong en deux et place les deux moitiés sur tes yeux. Il ne te reste plus qu'à t'allonger à côté de la radio et à te détendre. Au bout de 10 à 20 minutes, tu vas ressentir l'effet Ganzfeld. Pour simplifier, ton cerveau va commencer à interpréter les sons et la lumière d'une toute nouvelle façon, créant des sensations inhabituelles et même des hallucinations. On connaît depuis longtemps cette remarquable torsion de la réalité, mais avant le XXe siècle, les scientifiques ne s'y étaient pas assez intéressés pour l'étudier. Pour sortir de cet état psychédélique, enlève les balles de ping-pong de tes yeux, détends-toi pendant encore 10 à 20 minutes et tout redeviendra normal. Connais-tu d'autres astuces du corps humain? Partage-les dans les commentaires. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille afin de leur faciliter la vie grâce à ces épatantes astuces. Prends la vie du côté sympa et nous espérons te revoir très bientôt. Rejoins-nous sur Sympa.